Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 de Manor Lord, donc une série qui commence tout juste et qui me fait déjà frissonner plaisir. Mais avant toute chose les amis, avant qu'on commence, n'oubliez surtout pas de vous abonner, on va vous attendre là. On est une famille, l'équipe, on s'attend tranquillement, allez abonnez-vous. Voilà, c'est fait, parfait. Merci à ceux qui l'auront fait, en tout cas. Je vous remercie d'avance. Donc, j'ai vu que le premier épisode, déjà, vous avez pas mal plu. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont regardé, qui ont aimé, qui ont liké cette vidéo. Donc, je vous en remercie. Et notre épopée sur Manor Lord fait que commencer, j'ai envie de vous dire. Donc, on va tout de suite lancer la dernière sauvegarde de Manor Lord. C'est celle-ci. Voilà. Donc comme vous avez pu voir sur la sauvegarde, hein, j'ai ma propre partie solo. Ça va me changer un peu parce que j'avoue que j'ai joué toute l'après-midi sur ma partie solo. Et ça va me revigorer, on va dire. Et j'ai appris pas mal de choses. Donc, avant toute chose, on était, avant de se quitter, sur le début du commerce, si j'ai bien compris. Ouais, j'avais pas encore payé ça. Là, ça date pas d'il y a longtemps en plus. Hein. Donc, première chose qu'on va faire, très importante, c'est tout de suite là. Tout de suite, c'est de faire du commerce en grande quantité. Donc, je vous explique pourquoi, très rapidement. Notre partie, elle a à peu près une heure et quart de gameplay. D'accord? Donc, là, ça en pause, vous inquiétez pas. Donc, le problème, c'est que j'ai vérifié 2-3 trucs sur ma partie solo. Et en fait, j'ai failli me faire annuler. Pourquoi? Je vous dis que j'ai failli me faire annuler. Parce que je pense que j'avais pas été assez rapide dans, dans le développement de mon village, premièrement. Mais deuxièmement, il y avait... Il y avait... Il y a une attaque de pirates... Qui est censé arriver, je sais pas où et quand. Là, on n'a toujours pas eu la missive, je crois. Comme quoi, l'armée, enfin les pirates arrivaient. Ou alors, peut-être que s'il faut que je remette pause, peut-être, je sais pas. Non, on l'a toujours pas eu. Bon, c'est pas grave. Tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Tant mieux. Mais il me semble que à l'ancien épisode, on avait eu le petit message. Bon, c'est pas très grave. Mais on va dire, entre guillemets, faut vite se créer en, au minimum des soldats assez puissants et assez. Au moins assez bien équipé. Bah non, de toute façon, on n'a même pas les armes. Ok. Bon. C'est pas très grave. Du coup, on va continuer. Donc, on s'était arrêté. On avait commencé là. On avait commencé le commerce. Et est-ce que j'avais mis un espèce de grenier? Ça, c'est une scierie. Une tannerie. Mais est-ce que j'avais mis un lieu de stockage? J'ai pas mis un entrepôt. J'ai mis un grenier, ok. On n'a pas d'entrepôt? Ah. Voilà d'où vient le problème. Voilà d'où vient le problème. Bah du coup, on va le mettre tout de suite. Entrepôt. Donc là, on a pas mal de trucs. Tiens, dans la tannerie. J'aurais bien voulu exporter mon village par là. Au pire des cas, on peut le faire par ici aussi. Hein. Même si je voulais que mon manoir soit là, je peux augmenter jusqu'ici. Donc en vrai, on va faire ça comme ça. Donc l'objectif, les amis, hein, c'est vraiment d'avoir le plus d'habitants possible. Hein. Hop, on va remettre play quand même. Le plus d'habitants possible. Donc on va, maintenant, j'ai décidé, parce que j'ai regardé un petit peu la vidéo. Et en fait, j'aime bien faire des trucs à ma sauce. Forcément. Et j'ai trouvé qu'on était trop en accéléré en x3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout calmement, tranquillement. D'ailleurs... Par la même occasion, les amis, n'oubliez pas, il y a des moments où je suis en live sur Twitch et sur YouTube. Donc, si vous voulez face du Manor Lord, Manor Lord, en live, je fais une inversion entre Banner Manor Lord et Manor Lord. En live, on en fera assez souvent, c'est prochainement. Donc, si ça intéresse, eh ben, n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch ou même sur la chaîne YouTube, tout simplement. Voilà ce que j'attendais. Voilà. Donc là, important, on met pause. Et on met tout de suite le camp pour... Hop, pour faire ça. Le truc, c'est que vu qu'on a
Bah j'avais un entrepôt. Ouais, je... Complètement con celui-là. Je crois que c'était autre chose. Non, mais attends, mais ça veut dire, attendez, il y a du bois, ok, il y a tout ça. Ok. Ok, c'est déjà une même chose, là, il y a une tannerie. Donc là, il faut absolument qu'on fasse ça, donc on va le mettre en maximal. Pourquoi? Comme je vous expliquais tout à l'heure, ce qu'il va falloir faire, c'est aussi... Tac. On va faire... Des upgrades. Et j'ai pas upgrade les mêmes, je crois. À part celle... Attendez, quoique... Pas revenir sur la décision. Parce qu'encore celle-là, il y avait rien, rien, rien. Celle-là, elles sont prises. Celle-là, il y a quoi? Il y a rien. Hop, on va l'upgrade. Pourquoi je fais les upgrades? Absolument. Parce qu'on est en train de se faire un petit pécule. Et en gros, ce pécule va nous servir à acheter des... de pouvoir faire des armes, des ateliers, des trucs dans le genre. Donc là, on passe le cap assez élevé, donc c'est propre. Et même, en l'occurrence, je viens de penser, qu'est-ce qui va être sûr? C'est déjà, lui, on va le déplacer. Merde. On va le déplacer de ce sens-là. Tac, donc là, ça va faire beaucoup de construction d'un coup pour notre cher buff, mais c'est pas très grave. La priorité maximale, bien entendu, c'est lui, absolument. Et je crois qu'il arrive à construire. Je l'entends pas loin là. Voilà, on le voit déjà. Et aussi, ce que je voulais faire, c'est parce que je ne savais pas qu'il y avait ça d'ailleurs. Je crois que c'est assez nouveau. Mais je voulais commencer le manoir. Sauf qu'on m'a dit, le manoir, tu peux le commencer qu'une fois que tu as été dans un autre territoire ou un truc de merde. Sauf que de ce que je sais, c'est que lui, une fois qu'il a capturé tous les territoires, il t'attaque. Et ça me fait un peu... J'aime bien, moi, me poser, préparer pour la guéguerre. Et là, en vrai, tout s'accélère dans cet épisode, en soi. Tout va s'accélérer, on va activer la production d'armes. En priorité. Et le commerce, bah, lui, va continuer son cours comme on l'avait lancé, du coup. Et je pense que ça sera déjà une très très bonne chose. Ouais, d'ailleurs, je viens de voir que... On pourra vendre des trucs sur la prochaine. Le prochain truc. Et là, ce que je voulais regarder. Oh, nice. Oh oui. J'ai l'une des terres les plus fertiles qui existent. Donc là, c'est déjà une très bonne chose. Donc ça veut dire que là, je voulais faire mes champs là. Et bah, c'est une très très bonne nouvelle, ça. C'est une très très bonne nouvelle, les amis. Pour la simple et bonne raison. Allez, le buff. Vraiment falloir que je commande un autre buff. Hein. De toute façon, plus le village va s'étendre, plus je vais en avoir besoin. Donc en vrai, autant le faire maintenant. Voilà. Même si je pense. Putain, je l'entends de loin ce buff. Pourquoi il prend pas déjà le stock qui est là pour construire? Je sais pas. Il est tout seul à travailler dessus, le ref, là? Parce que... on en a vraiment besoin. Hein. Donc, pendant qu'on y est, les amis, mon plan. Mon plan pour le manoir. Qui... Ou même le reste, hein, d'ailleurs. Donc, je veux faire le manoir un peu dans cette zone-là. Et, en fait, faire des remparts... Qui passe au niveau de la route ici, descend ici, et en fait, j'hésite. Est-ce que je mets les champs d'agriculture dans les remparts ou pas? Parce qu'en fait, je vais faire en sorte que les remparts ils passent là, ils englobent une partie de la forêt et ils viennent là. Du coup, il faudra juste que je sorte la cabane de chasseur qui est là à l'extérieur des remparts et qui remonte du coup en englobant les baies.
Et du coup, faire tout le village à peu près ici, faire le manoir là, tous les champs là. Je pense que ce serait une bonne idée pour le premier village. Après, à savoir que on pourra refaire un autre village, par exemple, mettre là. Voilà. Mais avant ça, il y a deux raisons pour lesquelles j'améliore absolument ces maisons. Hop là. Il n'y a qu'une raison. Oh, nice. Plaisir. Ils font zizir. Je vais regarder où il y a trop de personnes. Ah non. Ouais. On en a à peu près partout. Même à l'église. Non, tant mieux. Tac. Ok. Donc. Oui, il y a deux raisons. Donc, la première raison, c'est comme vous avez pu le voir, quand elles seront améliorer, apparemment ça a l'air de galérer un peu. J'entends la bête, mais je la vois pas. Elle est là. Ah ouais, faut avoir l'œil, hein. Et en gros, nice, ça augmente. Mais en gros, avec ça. Il sera possible, donc bah là du coup ça me fait un peu chier. Ça passe là, du coup la maison en level 2 alors qu'il y a une étable de chèvres. Après peut-être que ça l'améliore, hein, je sais pas. Je saurais pas vous dire. On va voir ça ensemble là dans quelques minutes. Mais en gros, je me dis, ces maisons-là, là, les quatre maisons, donc j'en ai mis une cinquième. Tout simplement parce que, bon, en gros là pour passer le prochain niveau, il faut en avoir deux. D'accord, deux niveaux 2. Sauf que pour le prochain level, il en faut 5. Donc en gros, de toute façon, il en faut toujours plus pour pouvoir passer le level. Donc c'est aussi question d'équilibre. Hein. Mais qu'il faut refaire d'autres maisons derrière. Hein. Il en faudra. Et ça, on va pas y échapper. Hein. Et du coup, ces maisons vont pouvoir me permettre de faire les ateliers. D'ailleurs, on va faire un petit tour un petit peu là, le temps que ça se construit, dans notre village. Voilà. Donc là, c'est le bûcheron. Là, c'est l'entrepôt. Non, la scierie. D'ailleurs, qui travaille pas. Et c'est que j'ai qu'un seul bœuf. D'ailleurs, avant de visiter le village, on va mettre ça en maximal. Comme ça, je vais pouvoir commander le bœuf, le buff. Ou le bœuf, peu importe. Pour tout simplement agrandir, enfin, faciliter ma vitesse de travail. Parce que là, les maisons, elles attendent juste d'avoir les morceaux de bois. Là, je suis vraiment. J'adore, là, vraiment, le fait de pouvoir marcher comme ça dans le village. Oh! Je suis un seigneur, hein! Tu vas finir dans le buffet, toi, tu vas voir. Dommage qu'on voit pas des chiens, des animaux domestiques, on va dire. Et je crois qu'ils vont ajouter des oies, les trucs dans le genre, c'est obligé. Au Moyen-Âge, les oies, les trucs dans le genre, c'était. C'était partout. Là, vous imaginez. À partir d'ici, on voit le marché, l'église. Il y aura les maisons en face, ce sera magnifique. On fera un petit tour et en plus les musiques sont vraiment à foutre dans l'ambiance quoi. Ils ont géré de malade. Hein. Ah, mais il y a un cheval là. On peut pas aider lui à. Je peux monter dessus ou pas? Non, il est en no clip. Dommage. Mais ça veut aussi dire que. Si je mets la deuxième équipe là. Ils sont censés pouvoir me. Eh, ça me dérange. Donc. Ah putain.
Va le vendre lui. Va le vendre. A de la chance que je peux pas te vendre mon œuf. Après je peux le déplacer en vrai hein. Ouais mais non, ça va devoir me refaire une construction. Ça va être chiant de fou. Du coup hop. Vu que ce buffle il vient de là-bas. Ça sert à rien qu'on... qu'on le prenne. Mais putain c'est long à construire. Nouvelle aviron arrivant. Tac. À la mine. Vous allez charbonner les refs. On a absolument besoin de minerais de fer en grande quantité. Donc, par la même occasion, parce que c'est bien beau de faire une mine comme ça, mais le truc, c'est qu'il va falloir... Et là. Donc là, ça va... On va éviter de baiser la forêt pour ça. Tac, on va mettre ça là. Et du coup... Pourquoi vous allez vous dire je fais une forge donc parce que en fait ces lingots donc ils vont être utilisés merde par les maisons là mais en gros le surplus de lingots il ira pour la forge donc bien entendu je le mettrai pas je vais réduire un peu le tac la production de cette forge enfin je vais essayer du moins parce que comme vous pouvez le voir, on n'a pas fer illimité. Putain, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fer illimité. Ah non ! Dur. Bah, de toute façon, c'est baisé. En gros, je veux absolument débloquer ce point-là. Donc, pourquoi ? Parce que ce point-là, il me le faut absolument... pour protéger mes soldats. Du coup, qui ont un avantage sur les bandits. Mais sauf que ça nous dirige vers l'extraction souterraine. On a besoin de grande quantité. Sauf que on en revient à notre problème. Parce que les points, je crois que c'est pas illimité. Et c'est d'ailleurs dommage qu'on gagne pas plus de points. Que toutes les arbres de compétences sont vraiment bien. Mais très très loin à débloquer. Tout ça qu'on aurait besoin là. Rien que la fertilisation permet d'utiliser un champ de jachère en pâturage. Ça il me le faudrait aussi parce que là ça va être une zone full. Donc ça veut dire mes prochains levels. Là, 3... est-ce que je pourrais gagner 3 points? Ça serait bien. Le problème c'est que regardez, je vais vous rappeler là. Alors, boum, ici on peut avoir des pièges qui nous ramènent de la bouffe passivement. D'accord, c'est un passif. C'est pas un truc qui en a besoin à. Qu'on a besoin de taper dans les ressources des animaux. Là, on a ça, donc les dépeçages avancés, ça veut dire qu'ils récoltent encore plus de nourriture. Et là, c'est récupération de peau sur les pièges. C'est pour ça, en fait, tous les angles là sont magnifiques. À part ça, en vrai, ça, je m'en fous, moi. Ça, c'est le commerce, c'est pas ce qui. C'est juste ce qui me sert à payer mes maisons ou quoi. Donc, c'est. J'espère juste qu'en termes de fer, on aura ce qu'il faut. Donc, je propose que... Ça sert à rien. Voilà. En vrai, non. Non, je croyais qu'on avait assez de fer. Mais là, les ressources abondantes de cette zone, c'est juste les cailloux. Donc, en soi... Pas ouf. Vous voyez, hein, eux, ils sont armés hein, jusqu'aux dents. Hein. Et là, ils sont partis capturer une zone. Là. Il a pas... Ce qui est bien, c'est qu'il a pas d'archer. Ok. Ah, c'est nouveau, ça. Il n'y avait pas de cours d'eau avant. Ah ouais, maintenant, on voit les cours d'eau. Ok, avant il n'y avait pas. J'aurais su, je me serais foutu en bas du cours d'eau. Vers là. Donc, on en est où là?
construire ça, c'est parfait. Allez les gars. On va avancer un tout petit peu le temps. Hop. Et est-ce que je la mettrai en hutte? J'ai mis en hutte. Donc là j'ai fait une petite accélération. Parce que on va avancer un peu pour que bah justement là voilà. On voit là que ça vient de se transformer ce truc. Arriver là. On a absolument besoin. Donc en termes de bouffe, on est bien. Par contre, en termes de bois, on va vite mettre ici parce que on arrive en juillet. On a que 4 mois de chauffage. Donc là, on continue à construire. D'ailleurs, ils ont laissé la maison comme as. Faut qu'on en parle là. Comment je fais pour annuler la... Général. Pas annuler le... Ils sont partis ici. Ah mais ça y est la deuxième... Oui, lourd. Ah mais du coup je peux pas affecter une famille. J'ai jamais amélioré, je me suis mis dans une petite sauce. Les familles. Un peu chier. Ouais. Ah du coup, mais ouais, là, ils viennent prendre du bois directement, là, ok. Oh oui, là, c'est bien. Lui, il revendique un territoire. Donc, s'il est passé là, il est devenu là. Ouais, bah là, regardez. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est pour le moment les bandits. Alors, normalement, on n'est pas censé avoir peur des bandits. Mais vu ce que j'ai eu dans... Hop. Là, du coup, quoi. On a que 44. Et le temps que là, ça se bouge. On va avoir du temps. J'aimerais bien avoir une autre famille qui débarque. On est à 76%. Donc, ce qu'on va faire... Tac. Halt. Est-ce que c'était... Ouais, c'est good. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement... Parce que moi, tout à l'heure, j'ai remarqué que en faisant ça... Ça m'a fait venir... Avec trois baraques avec trois extensions et des jardins. Dans les cas, je fais ça. Hein. Là, ça ferait une baraque, c'est un truc. Là, ça passe. Moi, je prends ça. Hop. Donc tac, ce que je vais faire les amis. Et oh, on a... ça y est, on a la première. Voilà. Donc en gros, là, ce que je vais commencer, c'est faire des archers. Pourquoi les archers? Parce qu'on en a besoin et c'est ultra cheaté. Le problème, c'est qu'il va nous en falloir en très grande quantité. Parce que tout à l'heure, je me suis pointé avec 4 archers. Je me suis fait rouler dessus, hein. Ça commence à être bien. Je suis... Ah mais j'ai plus de bûches.
Oh, on m'a dit on va décaler ça là, non. Non, non, non mais par contre le truc pour jachère là. Bouge le cul. Ah bah du coup on a plus personne pour la construction. Aïe. Là on a une personne, là c'est toujours en construit. Une personne. Ah ouais non mais là il faut qu'il y ait ma famille qui nous rejoigne. Là c'est... Attends, on a combien de planches? 6 planches, c'est pas bon. Tannerie, vas-y, le temps que ça fasse un stock. En gros, la tannerie là, je l'enlève parce que même si, admettons, lui là. Le chasseur, il a rien dans ses stocks. Et si je regarde dans l'entrepôt, il y a rien non plus, il y a que du cuir. Le problème, c'est qu'eux, ils vont chialer parce qu'ils ont plus de cuir. Et ouais. Donc on a quand même le cul entre deux chaises. Parce que là, faut que j'arrive... Bon, là encore, à la limite, c'est obligé, il m'en faut un, parce que... C'est le bois de chauffage. Et le problème, c'est qu'il me faut quand même des bâtisseurs. Pour avancer sur tous les petits projets comme ça. Du coup, celle-là, elle est finie. Ah ouais, mais je vais changer la chèvre pour autre chose. Et bah... Ah ouais, non, mais non, c'est à partir d'outils, voilà pourquoi je l'avais fait. C'est pas à partir de fer, c'est à partir d'outils. Vas-y, go, tout de suite. Hop, on s'en fout. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre des chèvres pour le cuir. Et du coup, là, il va nous falloir des outils. Du coup, putain, j'en étais sûr. Après, il est pas encore fini d'être construit, donc... Je manque des ressources. Mais regarde tout le bois qu'il y a là! NC niveau 1. Ils ont construit ça où? Ah ok, ils ont fait la chèvre, ok. Normalement. Ah mais j'ai déjà des habitants en plus. Je comprends pas. ...80% là, allez, sérieux. Faites-moi venir du people. Ça va être la merde. Ouh là là, là, on est dans la sauce, hein, parce que j'ai toujours pas d'armes. Hein. On est d'accord, hein. J'aimerais bien savoir où... Ah, mais ils sont là. Ils sont là, les armes. Oups. J'aimerais bien quand même avoir l'armure, là, mais normalement, c'est censé passer... J'en ai deux, là. Rien que celle-là. Celle... D'accord. Ah ouais, mais en fait, c'est que... Ok, ouais, c'est en fait, c'est en train de construire les améliorations, donc c'est pas considéré comme... Allez. J'ai presque. Non, t'arrêtes pas là. Ok, c'est bon, on l'a repris. Nice, ok. Hop. Là, c'est normalement, là, c'est un quoi? Atelier d'archerie. Regarde, on voit en passant la souris dessus. Atelier d'archerie. Là, du coup, normalement, ça va commencer à construire celui-là. C'est lui qui fait ton bruit de sang. Ah non, c'est lui. Il coupe les arbres là, ok. Là, normalement, quand ça va repousser, là, ça va faire une forêt assez fat. D'ailleurs, on a un arbre en plein milieu, là. Pourquoi ils ont commencé l'amélioration de ça, alors qu'ils doivent finir l'amélioration, là? Ils sont quand même cons, ces PNJ. Et j'ai lancé énormément de trucs d'un coup, donc ils mettent... galère, quoi. Ils galèrent. Même au niveau du bois, hein, c'est le... On galère à suivre, hein. Là, je pourrais pas construire plus d'ateliers que ça. Hein. Autrement, on va être en rupture de thunes.
Le commerce, j'ai pas envie de commerce, n'importe quoi en fait. Pas de commerce du coup pour le moment. Et à part les baies, carottes. À la limite, je peux vendre des carottes. Ça me ferait 40 pièces. Le cuir. Je cherche pas le cuir, on est en galère. Bois de chauffage, pour l'instant, on est trop juste. On peut pas trop vendre non plus, quoi. Ouais. Ça met un peu dans la sauce. J'avais un plan bien ficelé. Et je vais pas me mentir que là, tout vient de tomber à la flotte. Mais alors, vraiment, tout vient de tomber à la flotte. Ça me déboussole un peu. Mais en vrai, c'est pas très grave. Enfin, je crois que j'avais un nouveau bolos qui est arrivé. Pas du tout. Monsieur m'a regardé, m'a fait. Tu rêves, mon ref. Et alors, ambiance. Là, je peux accueillir encore 5 familles, non? D'une façon ou d'une autre, les maisons, c'est pas très important, mais. Ça vient toujours pas, en fait. Et il manque un pélo pour. J'ai enlevé d'ailleurs la tannerie. En vrai, pour le moment, on n'a pas de commerce. Ouais, ça dégage. Ça m'écœure, gros. Ça m'écœure. Ça m'écœure parce que c'est quand même fou. Faut que j'enlève le mec qui est là pour que ça revienne, quoi. Aïe, 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 aïe. Allez, là. Reste. Je te vois, là. Merde, à chaque fois, il m'envoie deux messages. Ça me trigger. Comment il met une demi-heure? Allez là! Il reste un millimètre, sérieux! Un effort, s'il te plaît! C'est la forge en plus qu'en construction. En soi, c'est pas le plus important. Le plus important en soi, là, ça va être cette forge là, du coup, par les bas fourneaux. New development point, nice! Voilà, direct, sans hésiter. Et après, on foncera sur ça pour que ma ville soit indépendante. Du coup, bah toi, t'as fini ça. Et là, ça va partir. Non, t'as rien, ok. Ça part direct sur ça, normalement. Oui, de toute façon, je viens de l'acheter. Je suis en train de me dire, ça se trouve, je l'ai. Non, là, j'ai mis une forge. Et là, atelier d'archerie. Mais si. Là, quoi, atelier menuiserie. Et il faudra, voilà. Il manque plus qu'un atelier menuiserie, donc là, il va falloir trouver quelques ressources à vendre. Oh non, c'est que du bois. Vous me prenez sur ce temps-là. Je suis pas contre. Du coup, là, lui, va être prêt si toi. Très haute. Attends, il y a une couille. Ah non, j'avais pas reposé parce que. Ça manquait de bois. Faut quand même le refixer. On sait jamais. Et là, du coup, c'est parfait. Non, là, là. Non, t'es parti où? Où dur. Lui, il fait des arcs. C'est dommage qu'on peut pas voir la production en temps et en heure de l'archerie là. Ouais. En gros, je peux voir ici combien j'en ai. Et j'en ai zéro.
Il y a 20, il y a 19 voix là, après. Ah mais en fait, attends, à chaque fois que je mets une famille... Pour ça, gros. Parce que là, je n'ai assigné aucune. J'en ai assigné aucune et j'en ai perdu une. Et j'en ai besoin du commerce, là. Pour au moins vendre 2-3 merdes, là. Non, ouais, je n'ai pas besoin. Attends, attends, lui va nous voler, là. Sors de là, mes crayons. Ouais, ouais. Elle est où, la monnaie? Allonge la thune. Donc, de toute façon, les maisons, petit à petit. Et regardez, pour le prochain level, il nous en faut 5. Donc là, le prochain level... Faut que je sache où je vais le mettre, parce qu'après, il faudra monter au level 3. Et level 3, c'est méga, 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 méga long. Et ouais. Ils ont toujours pas fait ça, là-bas. Il manque juste quelqu'un pour le faire, hein. Accélérer. Je sais pas si dans cet épisode on aura la guerre contre les bandits, parce que c'est quand même très long, hein. C'est dans moins d'un an là, c'est quasiment mois de février, je crois. Et mars, juin. Donc je sais pas si on l'aura dans cet épisode là, mais en tout cas on va s'y préparer. C'est l'objectif là, tout ce qu'on fait actuellement, c'est pas pour notre économie. C'est pour rien du tout, de rien de tel. C'est juste pour tout simplement défendre, préparer à se défendre au minimum. Pas fourneau construit, ouais, mais on a personne pour les faire. Donc du coup, on va quand même mettre quelqu'un. Là, lui, de toute façon, dans 37, on va retirer la famille qu'il y a là. La Syrie, je suis obligé de garder. L'entrepôt, je crois que je suis obligé de garder, autrement, il... Ah, on a un arc. On a notre premier arc. Ça, c'est lourd, ça. Ça, on est obligé, autrement, on n'aura plus de forêt. Voilà, clairement. Lui aussi, autrement, il n'emmènera pas les... Oh! On arrive à faire nos premières herbes. Oh! Mais écoute-moi bien. Non, pour rien. On en a pas assez pour le moment. Non, 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 non. On fait pas les cons. C'est que 20 pièces. Bizarrement ce que j'ai. Mais on fait pas les cons. Parce que là, j'en ai que 2. Et là, 3. Donc ça fait 5. On en a pas assez. C'est pas suffisant. On les fera que quand on aura... un bon gros gros truc, un bon gros stock. Là, il nous faut une famille, hein. Ah, ça y est, je crois qu'il y a une famille qui arrive, non? Ouais, une famille est arrivée. Je viens de voir que... pas de stock. Du coup, là, il vient de faire 3 de fer, ok. Construire... étal de nourriture. Garde-manger, rien à manger. Regarde le garde-manger. Là, je veux absolument voir. On sait que la souci en accéléré. Si ça va me prendre ma famille restante, là. Pour la... pour la... la... je sais plus ce qu'on vient de faire comme atelier, là. Mais pour l'atelier.
Oh, lui, commence à travailler. Ça veut dire qu'on a des armures? On a de quoi faire des armures? On a armes légères, ok. Arc. Ça veut dire qu'on va pouvoir recruter d'autres péons. Donc, à savoir que moi, sur ma partie personnelle, on va dire entre guillemets, je suis monté jusqu'à 78, 80 péons. Et encore, il y en a beaucoup qui sont morts. Je crois que j'ai eu 30 morts à cause de l'attaque de. Des pillards. Parce que j'ai eu deux groupes de 18 qui m'ont attaqué. Plus un autre petit groupe, mais je me rappelle plus, je crois pas qu'il était compté dans l'assaut, mais il m'a quand même attaqué. Du coup, ça a fait chier. Vous voyez l'autre, il commence à se mettre bien là. J'aimerais bien les conquérir plus dessous là. Ouais. Aller attaquer juste dessous, ce serait pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est que si je vais attaquer juste dessous. Attends, comment ça? Mais une nouvelle famille arrivée, parfait. Bah, on va te mettre directement là. Parce que ça a l'air de bien galérer en termes de. De bois. Et à la limite, dès que là c'est fini, dès qu'ils ont coupé les armes, je vais les monter ici là. Comme ça, ils auront de quoi faire là. Mais j'avoue que là, j'ai peur pour l'hiver. En termes de bouffe, ça va. Mais combustible, j'ai peur pour l'hiver. Ça va être. Ça va être tendu, comme on dit. On commence à amasser des armes. Donc ça va. Là, il nous reste que 17. On a du lingot. Et ça veut dire, ah ouais, ça veut dire que la forge là, elle peut fonctionner sans. Attends, archerie, forge. Ouais, donc ouais, en fait, la forge, elle fonctionne sans que j'ai besoin de faire ça, en fait. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, j'aurais pas besoin de mettre tout de suite quelqu'un. Ça, au moins, c'est un bon bail. En fait, elle a juste besoin de lingots de fer, je crois. Parce qu'elle est déjà en train de construire des. Ah non? Attends, est-ce que j'ai pas des outils qui traînent là? Non, j'ai zéro outil, je suis même en négatif de planche. La série là. Allô? Je voudrais finir ça. Il y a deux bûches qui traînent, mais. Même pour construire ça, je trouve que c'est assez long d'ailleurs. Oh, un steak sur pâte. La chance que je peux pas sauter, hein. C'est quoi ça? Que je viens de voir. C'est quoi là, on a un clou des poules? Non, attends. Elle a réussi à passer à travers? Parce que là, c'est la forge. Ça va, tu fais pas chier, Biquette? Une nouvelle famille s'est installée. Il y a ça. J'ai. Il n'y a aucun bien exposé, mon ref. Ah, c'est deux planches, ça va. Par contre, j'aimerais savoir si. Le bétail que je t'ai mis là, moi. Le bétail qu'il y avait là-haut. Il est où? Ok. Et là, du coup, t'as pas de bétail, toi. Des 20. 20.
Parce qu'il n'y avait pas de bétail, donc obligé, hein, c'est... Pour moi, il sert à rien, donc il faut le faire. Et bref, 8 métal. 8 métal, dès qu'il y a plus de métal là, ça me fait une famille en plus. Mais là, du coup, attends, faut que je... J'avais une idée. Ce qu'on va faire, c'est que vous... On va vous déplacer là. Oui, je sais, ça va refaire un peu de merde. Un peu de merde pour le... Pour le construire, mais c'est pas grave. Là, ça me fait 4 familles. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le temps que ça se construise là-haut. Pas de chômeur à la maison. Ah, c'est bientôt mort, donc c'est bon. Bestiole, il en reste 7. Donc ça veut dire eux, ils sont déjà venus chasser. Et là, il en reste 64. Et bah, ma foi, beaucoup de gestion là, dans cet épisode. Hein. Pas beaucoup d'avancement en termes de visuel, à part pour ici là. Mais beaucoup de gestion. Bon, il n'est pas fini l'épisode, hein, mais on verra pas plus grandir, je pense, pendant cet épisode, le village. Après, moi, si vous voulez, si ça vous intéresse, les amis, dites-moi dans les commentaires, je peux avancer un petit peu le village pendant que je suis en off. C'est possible de le faire, voilà. Vous me direz ça dans les commentaires. Et si ça vous intéresse de voir l'avancement après et que je vous explique comment je l'ai fait, n'hésitez pas, voilà. Les commentaires sont disponibles pour ça. D'ailleurs, pendant que j'y suis, n'oubliez pas de lâcher votre petit like et à vous abonner, hein, ça fera plaisir. Pour cette petite série qui commence vraiment bien sur Manorland. Et en espérant qu'on aille assez loin. Bon, en fait, à la fin, j'ai pas peur. Hein, c'est vraiment le plus compliqué, c'est le début. De toute façon, reste. Ah. Le début! Par contre. En fait, lui, il coupe juste les arbres. Il les ramène pas au coin. Les stocks là, et après, c'est lui qui dispatch. Et là, faut vite que je me dépêche. Il faut vite que lui se dépêche à aller emmener ça ici. Ok, lui, c'est bien. Il charge. Ah non, moi, il y a un buff qui arrive, j'entends. Ouais, il vient récupérer le. Le morceau de bois, parfait. Là, j'espère qu'ils vont vite aller construire le truc tout en haut. J'étais limite en train de me dire, avec tout le monde qu'on a récupéré, on va pouvoir commencer un truc très important. La ferme. Alors, toi, pour le moment, on te met en route, hein. Éteint. Vous vous rendez compte qu'on a lancé ça quasiment à la moitié, un peu moins de la, un peu plus du début de la vidéo. Ah non, non, c'était l'amélioration qu'on avait augmenté. Et du coup, il reste deux encore à améliorer. En termes de rapidité, j'ai vu mieux, quoi. Atelier menuiserie, j'en ai toujours pas. Hein. Voilà. Donc une fois celle-là finie et une fois celle-là finie, on sera armurerie terminée. Parfait. Il a fallu que je lance l'autre pour qu'il se termine. On sera très très bien. C'est-à-dire que petit à petit, ça va avancer là. En termes d'armement, on voit l'armement léger, TAC 7, arc de guerre 3. Et d'ailleurs, je viens de penser un truc très con. Mais non, ça se faisait pas tout seul. On va enlever un direct là. Et on va en mettre un directement là. Parce que si je ne m'abuse.
mais pour... je comprends pas ce qu'il faut comme... ce qu'il faut comme truc pour que l'armurerie fonctionne. En toute logique, il faudrait du métal, mais là... bah... la preuve, hein. 8 mines, là, mais... bah, on retient, les amis, il y en a 2. On revient dans 10 minutes pour voir si il n'y a plus de 2. S'il n'y a pas plus de 2, ça veut dire qu'on peut le tèche. Et là, de toute façon, même entrepôt. Merde, il est là. Moi, j'oublie. Il me reste 52. Oh mon dieu. Oh. Il nous faut ce territoire. Il nous faut rien pour le métal. Sans regarder, ça a disparu. Je pense qu'il mine rien en fait. Je pense que la mine là. Elle est morte. Hein. Ça fait un peu chier. Là, ça veut dire que. Je sais pas comment on va se. J'espère de tout cœur que. Ça va être. De tout cœur que ça va être parfait. Mais j'ai bien peur, hein. J'ai vraiment peur que qu'on soit dans la sauce totale à cause de ce gisement de fer là. Ils auraient pas pu faire comme l'autre là, mettre 2000. Ça aurait largement suffi. On aurait pu même le revendre. Mais du coup, d'où en vient le fait que je veux absolument passer ces levels. Le problème, c'est qu'on gagne à chaque niveau qu'on fait, on gagne qu'un seul point. Là, on voit, il m'en faut 5. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave. J'en ai déjà 3. Là, il y en a une autre qui se fait. Et là, après, juste derrière, il y en a deux autres. Donc à la limite, c'est pas très grave. Ça, je sais que je vais l'avoir. Mais le problème, c'est la suite. Moi, je sais que la suite, c'est des niveaux 3. Niveau 3, c'est pour approvisionnement à la taverne et améliorer l'église. Et avoir 3 styles de nourriture. Et... style de vêtements, donc ça veut dire soit la toile, soit le cuir, soit le fil. Et là, ça va être complexe. Là, ça va être complexe. Rien que pour la taverne, en fait, la faire, la construire, il n'y a pas de problème. Je pense d'ailleurs, même elle sera ici, la taverne, dans cette zone. Comme ça, ça va descendre, ça pourra alimenter tout ce qu'il y a là, et tout ce qu'il va y avoir ici. Mais le plus compliqué, ça va être ça, là, la ferme. Faire la ferme. Et encore parce que je pourrais ajouter des ateliers de malterie là. Mais je vais pas le faire. Moi ce que je compte faire, c'est faire ce bâtiment. Je crois que je l'avais vu. Je l'ai pas vu. Ah mais si. Attends. Je viens de découvrir. Ah, ah fou là. Je suis dégoûté. Je pensais que débloquer ça, ça me débloquait toutes les armures du game. Pas du tout. J'étais en train de me fourvoyer. Il faut faire. Après, il faut faire ça pour les armures. Putain non. Pire des cas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Au fil du temps, on débloquera ça. Mais nos priorités, vraiment, c'est la couverture des unités de bûches en charbon en emprisonnement en combustible plus efficace. Ok, donc ça, c'est une chaîne de production. Et après, il nous faut ça. Pour avoir des mines souterraines, justement, aux ressources abondantes. C'est-à-dire, en gros, ça sera miné à fond. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on garde aussi une baraque. Donc, on verra, on en montrera une. Certainement celle-là qui passera en malterie. Pour pouvoir faire... je vais faire 3 champs de malt et 3 champs de blé. Et on va inverser, en fait. On fera
Un jour, lui sera en jachère. Lui en orge, je crois. Lui en orge. Après, lui sera en jachère. Blé, blé, blé. Enfin, voilà. Il nous faut quand même de la bouffe. Et le blé, on pourra en faire la farine et du pain. Et les surplus, on pourra toujours en vendre. Et ça encore, c'est pas très loin. Enfin, c'est pas trop près, mais c'est pas très loin non plus. Mais c'est le prémisse du game, quoi. Pour moi, il y a tellement de choses après à faire. Rien que là, en fait, ce système de points, j'ai envie de le découvrir à fond. Vraiment pour savoir où ça va nous emmener, où et comment on va faire. Pour avoir tous ces points, parce que je sais très bien que on pourra pas tous avoir sur un seul village. C'est là où je trouve ça des... Encore que ça appartienne à un seul village, ouais. Ah, il y avait des politiques. Ah, ça veut dire que je peux choisir entre les deux là. Ben, en vrai, je préfère faire ça, moi. Voilà. Je peux pas adopter là. Je peux pas adopter. Ah, mais non, c'est. Il faut. Maintenant, je crois. Hein. Je suis pas sûr. J'étais en train de m'exciter. Je peux pas adopter là. Sérieux. On est en train de me niquer. Et voilà, j'avais raison d'ailleurs, hein, les amis. Hein. Chaque atelier que vous faites là, vous prend une famille. Donc. Construction terminée, c'est quoi ça? Ok, c'est un menuiserie. Voilà, preuve, voilà. À moins que j'avais mis autre part la famille, mais non, je crois pas que j'ai mis autre part. Ah, mais du coup, il va falloir vite que je retire quelqu'un. Attends. Hop. Ah, bah non, c'est bon, tranquille. Bon, il y a deux personnes qui sont installées en vrai. Je vais les garder et celle-là même je vais l'enlever du coup parce qu'on n'a pas encore la technologie. Mais du coup il y en a une qui ira dans les mines, enfin dans les dans la ferme. Attends, la route elle est. Tac. Oui, je sais, je connais. Voilà, donc ces trois champs là, ils vont être faits spécialement pour l'orge. Non, vous savez quoi? On va faire une année de rotation, tac. Enfin, une année de jachère quand même. Parce qu'on va prendre soin de nos champs. Là, on va faire une rotation. Vas-y, nique sa mère. Or, j'en cherche. Et là, du coup. Hop. Et oh. Tac. Normalement. C'est good. Voilà. Donc là, du coup. Pas faire un trop grand non plus, on va se calmer. Tac. Quoi ça? Dommage qu'il y a l'écriteau devant. Bon, on va faire. Merde. Je pensais que ça allait fonctionner. Autant pour moi. Tac. Et là, du coup, on va faire jachère. Blé. Blé. Là, on va faire blé. Jachère, pardon. Et blé. Là, on va faire. Blé.
Mémorisation, blé et jachère. Normalement, 1, 2 et 3. En gros, c'est-à-dire qu'il y aura toujours deux champs qui seront en stand-by. Allez, les mois de combustible, allez. Pour l'amour de Dieu. Ok, rien de direct. Lui, on va le retirer. Hop, là, il y en a un seul. Là, un seul, c'est parfait. C'était où? J'en avais mis deux. En fait, j'aimerais bien... Ah, même là, tu vois, j'en ai pas. J'en ai deux, mais là, j'aimerais pas... J'aimerais bien avoir deux familles dans la ferme. Donc, on va toucher du bois pour qu'il y ait une autre famille qui rejoint notre village... plus rapidement possible. Bien. Bon bah au moins j'avais dit que ça bougerait pas dans l'épisode, ça a pas mal bougé. Ça prend même forme, j'ai envie de dire. Voilà, à part là c'est pas... J'hésite à bouger lui pour qu'il aille là, hein, parce que... en train de grappiller dans la forêt de zinzin. Oui. Niveau 2. Donnez-moi ça. Hop. Enfin, je peux même partir dès qu'on l'a mis. Hein. Faut être sûr de soi. Hein. Du coup, voilà. Voilà le prochain truc qu'il faut. Donc, les maisons niveau 2, il n'y a pas de problème. Ça, on arrivera à le faire. Et le niveau 3, par contre. Le niveau 3. Ça va être une bonne galère. Mais du coup, permet de convertir... une unité de bûche en deux unités de charbon. Donc ça, c'est pas dégueu, donc ça veut dire que... c'est peut-être qui... c'est peut-être d'ailleurs ce qui va nous sauver... Tac. Il va nous sauver cet hiver. Peut-être que la ferme, on la fera plus tard. Ouais. Qu'est-ce qui va nous sauver même, ouais. Du coup, on va même accélérer au maximal. Là, du coup, je crois que j'ai mis deux pélos. Je vais vraiment récolter toutes les baies. En termes de bouffe, on a 13 mois. On est bien. Mais en termes de boîte de chauffage, on n'est pas fou. Et à savoir que là, enfin, je l'ai pas mis. Mais il va nous falloir ça. Voilà, comme ça, ça ferait le stock aussi. En gros, pourquoi? Parce que là, j'espère que ça va être resté un peu définitif. Mais en gros... Oh, nice, une nouvelle famille. Oh, le bonheur. Le bonheur. Je vous explique pourquoi, en rapidement, et le temps que eux vont construire. Là, en gros, ça va couper le bois, là. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que ce bois, au lieu d'aller là-bas, il va venir là-dedans. Pour la changer en charbonnière. Et même à la limite, je suis à me tenter de mettre un entrepôt juste là. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme ça, ça, ils feront juste un aller-retour, ils viendront là, tac, ils viendront là, tac, tac, ils viendront là. Bah, en gros, là, on a trois familles, donc on en a deux disponibles. Donc il y en aura un là, comme ça au moins. Mais apparemment, ça double le... Comme si, en fait, il y avait deux unités de bois. Donc, en vrai, moi, je suis plutôt d'accord. Frère, non. T'as construit, là. J'ai pas envie. Donc, pour le moment, je mets deux unités. Parce que j'ai pas encore fini ça. Dès que c'est fini, j'en enlèverai une. Ça va se déglinguer toute la forêt là, et en vrai, si on peut renouveler le bois, c'est pas... Ah, je peux mettre les calques comme ça, ok. Ce serait plutôt pas mal, comme ça éviterait de bouger H24 le machin. En tout cas, c'est bien parti pour faire ça. Du coup, en termes d'armes, on va regarder rapidement. On commence à avoir pas mal de production.
Ok, en termes de boucliers, d'armes, tout ça, là, on est bien là. Commence à avoir une petite armée. On avait que 11? Ok. J'ai envie de les appeler. Allez, on va les appeler pour la première fois de la vidéo et pour la fin de la vidéo. J'appelle mon armée! Attendez. Hop, on monte le col. Pas bonne impression de la première arrivée. Bonjour, vaillant chevalier. Enfin, chevalier paysan, chevalier. Non, bien, 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 bien. Commence à se faire une petite armée. Pas dégueu. On a quand même. On commence à avoir des archers là. Ça fait plaisir d'avoir pas mal d'archers là. Là où je suis un peu deg, c'est qu'on n'a pas assez de. Deux soldats. Mais ça va arriver, ça va. Ça va arriver. Comment ça, vous avez déjà tué du monde, vous? C'est rempli de sang, votre truc. Alors que vous êtes tout neuf. Vous foutez de ma gueule? C'est ça? Vous voulez faire croire que vous êtes des. Bon. Allez, hein. Autant à vos occupations. Dissous de l'unité. Tac. Donc non, en vrai, ça fait plaisir. On commence à avoir une petite armée des familles qui est vraiment pas dégueu. Et ça, on va s'en frotter les doigts pour l'avenir. Attendez, on n'a pas reçu notre famille là en screen. Si? Si, si, si. Si, hein. J'ai bien mis des unités là, hein. Ouais. Ce serait juste bien par contre. Je viens de finir ce putain de. De truc. Je l'ai mis en maximal. Je vois pas ce qu'il y a au-dessus. Ah ok, ils reviennent. Ah mais ok, c'était peut-être des soldats. Ah peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais faut se dépêcher, l'hiver arrive. Attends, c'est quoi déjà la phrase? L'hiver vient. Non. L'hiver est à nos portes. Enfin bref, vous avez capté ceux qui ont la ref, game off. Voilà. Pour les intimes game off. Nice, donc là ça veut dire. Genre mets là. Tac. Là, on va retirer. Allez, s'il te plaît. Ah, mais il est venu directement là, lui. Oh, t'as un bon gars, toi. Voilà, tu me replantes tout ça. Et du coup, les prochaines unités, je pense ce qu'on va faire. Donc là, il y en a deux. On fera, c'est qu'on en mettra une là et une là. Au moins pour que la jachère, ça repousse à balle. Mec, on met en mode normal. Et vous savez quoi? Je savais même pas que c'était fait comme ça, le charbon à l'ancienne. En gros, c'est. Ils font. Mais c'est du bois ça. Ça crame, non? Eh voilà, attendez. Ils vont chercher. Mais non. Attends. Non, ils vont chercher directement là. Ça, c'est lourd. Ok. Ouais, il va déposer là-bas alors qu'il y en a un là, on ne trouve pas. Et pourquoi? Bon, c'est une early access, les gars. Mais bon, ok, bon, bah tant pis. Tenzin terminé, ok, donc ça veut dire les trucs qu'on aura lancés au début de game, bah voilà, viennent de se terminer. Donc, à savoir que celle-ci, on va la garder tout de suite, d'ailleurs, pour une malterie. Voilà. Et celle-là, ça sera pour tout ce qui est vêtements.
Comme ça, on aura de toute façon de tout. À part les chaussures, je crois qu'on n'a pas encore. Putain, mais ouais. Je viens de construire ça comme un con. Du coup, il n'y a personne. Bah, c'est pas grave. On attendra la fin. Enfin, la fin, le début de... du prochain épisode, les amis. Parce que oui, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner, les amis. C'est gratuit. Ça coûte, ça mange pas de pain. Et puis, si vous plaît, si ça vous plaît, regardez ces vidéos que je produis. Voilà, c'est tout à fait logique que vous vous abonniez. Parce que quand on aime le contenu, on s'abonne. En tout cas, j'espère que vous le ferez. N'oubliez pas de like la vidéo. Lâche un petit com pour ceux qui connaissent bien le jeu. Pour me dire, là, t'as chié. Là, t'as pas... T'aurais peut-être dû mettre ton entrepôt, par exemple, celui-là, plus bas. Ou... même pas besoin d'en refaire un tout court. Voilà. Donc, ceux qui ont des petits tips, ça va me donner les commentaires sont en description. D'ailleurs, on va sauvegarder tout de suite la partie. Voilà. Vidéo. Tac. Donc, voilà. Ceux qui veulent me donner des petits tips, les commentaires sont là, je les lis tous. Ceux qui sont construits, voilà. Pas les trollers. Les vraies personnes qui souhaitent aider, qui souhaitent s'investir dans cette série. Donc, nous sommes au deuxième épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et on se retrouve certainement demain pour le troisième épisode. Tchuss tout le monde.